La première image à la une de cette édition aujourd'hui, c'est bien sûr la victoire de l'équipe de France de basket hier soir en quart de finale de l'Euro au stade Pierre-Mauroy. Les Bleus se sont imposés 84 à 70 face à la Lettonie et affronteront l'Espagne demain soir en demi-finale. Plusieurs centaines de personnes s'étaient, vous le voyez, réunies hier soir place de la République pour suivre la rencontre sur l'écran géant installé au Village Basket. Une belle ambiance avec le public lillois, ravi forcément de voir les Bleus finalement s'imposer malgré un début de match compliqué. Les Français ont encore vécu un premier quart-temps difficile avant d'accélérer juste avant la mi-temps, notamment grâce à 9 points d'affilée de Tony Parker. La France a pu ensuite gérer son avance en deuxième période et filer tranquillement vers la demi-finale. Idil Gunay était hier soir au cœur du public lillois, place de la République, avec ses supporters. Première mi-temps, c'était un peu limite, mais après on a vraiment mis la grosse charge et c'était super. L'ambiance à Lille, c'est super et tout le monde est super content. Donc rendez-vous en demi. En demi. C'était super match, début difficile, mais la fin est fantastique. Toutes les générations ont participé, c'était génial. J'espère qu'on va sortir une bonne demi-finale contre l'Espagne. Et moi, je le sens bien et je sens qu'on va gagner la médaille d'or. Grosse pression défensive en deuxième mi-temps, le public était présent. On a su surmonter la défense et maintenant rendez-vous en demi pour affronter l'Espagne pour pouvoir défendre notre titre. Et la France, elle sera toujours derrière. Et allez les Bleus, on est tous avec vous. Allez les Bleus.